quand je faisais des objets en résine et en fibre de verre. J'adore cette matière parce que je trouve qu'elle rend, elle apporte une modernité aux objets. J'aime m'inspirer des objets qui m'entourent, avec lesquels j'ai grandi, parce que j'ai grandi en Afrique depuis que je suis toute petite. Et j'avais envie de donner un côté un peu peps, un peu joyeux à mes objets. En arrivant à Madagascar, j'ai découvert le totem Alual. Le totem, c'était un objet que je voulais travailler, sur lequel je voulais travailler depuis quelques temps. Et en arrivant à Madagascar, là, je me suis rendu compte qu'il existait ce totem, qu'il avait une histoire, qu'il était intéressant, je le trouvais très intéressant de par ses formes, qu'il était utilisé dans divers endroits, dans des rambardes, dans des décorations de maison. Donc j'ai voulu aussi donner ma version. Et en étant à Madagascar maintenant depuis 3 ans, j'ai commencé par le totem. Je trouvais que ça lui apportait encore plus de lumière. J'aime bien la période des années 80, c'est la période de mon enfance, c'est une période heureuse. Et j'aime bien ce que représentent les boules à facettes. Ça représente des moments de joie, des moments de partage. Et j'ai voulu associer mes objets à cette matière qui est le miroir, en petits cubes, pour donner un autre aspect à mes objets, un aspect joyeux, un aspect de fête. Je travaille à partir d'esquisses, d'abord. Ensuite, je travaille avec un maquettiste pour la réalisation de mon objet. Et ensuite, on fabrique un moule à partir de cette maquette qui va servir après, ensuite, à créer tous les objets. Et il y a aussi une partie peinture, bien sûr, à la fin. Et en fait, ça paraît très simple, mais il y a beaucoup de travail de ponçage, de finition, énormément.